de YouTube. Tu arrives pile poil sur un trinking YouTube, c'est incroyable. Tout est calculé. Pas du tout. Bienvenue pour une nouvelle VOD de Loop Hero. Salut Fti. Installons-nous, continuons. Que faisons-nous? Une expédition? Bien évidemment. Avec des ruines? Bien évidemment. Que nous allons débloquer grâce à la réserve. Un gros yab. Et ça c'est bien ça, ça permet de construire des trucs, hein. C'est très très fort, très très fort. Je dis c'est la limite d'objets du camp, bon ça on en a peut-être pas besoin. Vous pouvez donner aux habitants un meuble ou de la nourriture à entrepôt Z, très bien. Et donc ouais, c'est très très cool, on a vu qu'on pouvait partir avec des objets. Vous pouvez fabriquer des trucs, et ça là c'est important là du coup. Comment on en a des trucs comme ça là? J'ai tout claqué en tout cas. Sachez que j'ai tout claqué. Je me suis trompé. Expédition, ok. Alors, est-ce qu'on ne se sentrait pas le boss 2, là? C'est quoi la différence entre les deux? Ils sont plus, les ennemis ont plus de capacité. Ils sont plus forts. Ils sont de plus en plus forts aussi au fur et à mesure des boucles. Bonus de ressources plus 40%. Ah oui. On va essayer de farmer le, on va essayer de farmer le 2. Le chapitre 2, je dirais. Je suis toujours pas fan de lui, mais... En même temps, avec de l'esquive de ouf. Peut-être, hein. Tu crois? Attends. Non mais là, regarde, en termes d'ennemis, j'ai enlevé les araignées, j'ai enlevé les vampires. Là, on a que les harpies, finalement. Enfin, les trucs rats, là, machin. Des bosquets. On a ça, là. Non, en vrai, ça va. J'unlock les ruines, ouais. Je l'ai pris. Du coup, on a un ver incendiaire en plus. Non, mais en vrai, c'est pas mal, là, comme build. J'aime bien ce build. Est-ce qu'il vous pose un problème, ce build? Est-ce que vous voulez vous battre? Est-ce que vous voulez vous battre? Non, mais on va essayer comme ça. Moi, je dis 10 cartes, c'est pas si mal. Il en faudrait peut-être un peu moins, mais... Le champ de bataille est quand même pas mal parce que les coffres quoi. Les coffres, hein. Pardon, mais les coffres, c'est très très fort. Le village pas mal, c'est pas mal. Il ne constate pas de problème. Parfait. Non, on va garder le guerrier. On va faire un petit run guerrier, mais chapitre 2 cette fois-ci. Hop 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 là, oh là. Arrête, tu me fais honte. Ah, ça c'est sympa ça. Premier loot. Quoi? Un bosquet sanglant déjà? Très bien. C'est très très bien. Oh là, bah d'accord. On en est là. Oui. On en est là. On ne nous dit pas tout. Je sais pas, oui, par là. On s'en fout. 4-6, un oblivion, une prairie. Mais d'accord, ok, non mais... Ok, oh, doucement, calmez-vous. Calmez-vous bien là, parce que ça va pas le faire, hein. Un petit village. Ici même. Avec un champ de blaye. Juste là. Et pourquoi pas ici? Il y aura de toute façon un truc sanglant là. Un bosquet sanglant. Bah genre là. Incroyable. C'est ouf. Ah, peut-être là aussi c'est pas mal, hein, mais bon pour l'instant on l'a pas. Donc on va le poser là. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette run là? Oh, attends, j'ai pas regardé. Du compte, la vitesse d'attaque. Non mais j'aime bien. Ok. Dégâts purs, ouais. Encore l'armurerie? Non, je sais pas ce que ça. Je sais pas ce que ça fait. Petite prairie. On va se faire une petite montagne là-bas. Je suis même pas sûr que je fasse la montagne. On verra après. J'aurais pu le faire dès le début ça. Ah, un coffre, cool.
Attends, mais c'est forcément mieux, non? Oui. Ah, justement, des ruines. Ok, donc les ruines, on peut les mettre... donc c'est ça, octroie une unité de ressources de base aléatoire. On peut la mettre là. Hein. Histoire de maximiser les bosquets sanglants, là. Peut-être ici. J'aurais pu le maximiser en... Ouais. Tu verras, mais je te le conseille. D'accord, ok. Je me doute. Deux oblivions déjà, c'est pas mal aussi. Hein. Nouvelle quête. Déjà la quête est remplie. À peine arrivé, déjà remplie. Un bosquet ici, un champ de blé. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ouais. Du Vampirims. Vitesse d'attaque. On va essayer de se soigner un peu. Ok. Alors comment on en fait des... c'est ça là non? C'est de la ferraille? Je sais pas trop. Ah, une salle au trésor. Ça. Ah, c'est les vers... les vers de feu, là. Oh là là! Ok. Et ça donne des trucs craqués. Ou c'est le hasard? Ding 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 ding. Petit coffre, là. Petit coffre. Dégâts à tous, esquive 11%. Moi, j'aime bien l'esquive. Ah, mais... On va refaire un petit build d'esquive en vrai, hein, parce que... Ah bah tout à l'heure c'était intéressant, mais ça va dépendre de ça, là. De l'XP. Bon bah tant pis, c'est pas grave. C'est vrai que le Vampirims, ça c'était sympa. Des ruines. On peut les mettre là. Euh, 10-14, oui. De l'esquive du Vampirims, bah parfait. De la vitesse d'attaque, des dégâts purs, toujours mieux, quoi qu'il en soit. Ok. C'est parti. Ah, un petit village people. Village, on peut le mettre là. Pas si je le mets direct. Ouais, vas-y, on va avancer un peu. Peut-être un peu vite là. Hein. C'est bien d'aller vite, mais. Ça ne sert à rien. Ok. Alors, le bosquet. Où est-ce qu'on pourrait mettre un bosquet sanglant là? Encore ici là, non? Peut-être par là, là. Dans cet angle là. On va voir s'il y en a un autre. Salut Albator. Comment vas-tu? Bienvenido. On a réussi à battre le boss Albator tout à l'heure. Avec une magnifique un magnifique build esquive. Esquive. Twitch jutsu quoi. C'était trop fort. C'était trop fort. Jamais douté. Et un gros bouclier aussi. Ah, c'est vrai que la combinaison des deux était forte. Et une capacité spéciale qui disait j'avais 35% de chance de faire une contre-attaque à chaque esquive. Ce qui était fort. C'était fort. Je dois l'avouer. Tranquille, je fais ma petite pause. Esquive avec le guerrier. Oui. Moi, je suis un dingue, moi. Je suis comme ça, moi. Ah, mais c'est passé, hein. Jusque-là, j'insistais avec la vie, avec les dégâts. Non, c'était pas ça. C'était l'esquive. Bon après, je suis parti sur l'esquive aussi parce que j'ai eu une amélioration spécifique là. Enfin, je sais pas comment t'appelles ça, mais... Voilà, mais il y en a beaucoup des... Ah oui, c'est tous les deux jours quand même. Ouais, du coup, ça peut faire des dégâts quand même. Viens voir. Ça va, ça va, ça va, ça va. Par contre, il donne des trucs craqués, hein, j'ai l'impression.
10% d'esquive, vitesse d'attaque, régène et défense. Tandis qu'ici, on a du vampirisme, de l'esquive aussi. Un peu de régène. C'est peut-être pas mal ça, c'est un bon compromis, je crois. 12-18, ouais, non. What are you doing in the do? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pris une petite cartouche là quand même. Alors, viens voir. Qu'est-ce que tu proposes? De l'esquive. Ouais. Ouais. Ok. Y a pas de gêne dans le plaisir. Tant que ça passe, GG. Exactement. Tout à fait. Ce que je crois aussi. Ça s'est plutôt bien passé. La vérité. D'où il sort lui déjà? C'est que c'est la peinture ancienne. Ah cool, c'est des objets que je garde. Augmente les dégâts infligés au boss de 4%. Ah oh. Oh. Ah du coup je peux le perdre cet objet. C'est ça si je meurs comme un caca. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On a de la défense, de l'esquive et du vampirisme actuellement. Et là on aurait du contre. Non je préfère la mienne. Mais surtout qu'on fait plus de dégâts donc... voilà quoi. Oui. Oui. Ah 13-19. Contre on perd un peu d'esquive, bon. Pour l'instant, dégâts à tous, vitesse d'attaque et contre. C'est pas si mal. Mais on perd un peu de vampirims. Mais 13-19. Bon vas-y. C'est le début là. Hein. On s'est pas positionné vraiment. On peut le mettre là, dans le sens où il y aura un bosquet sanglant ici normalement. Normalement, si, il y en aura un là aussi, surtout là d'abord. Par contre, faut me le filer ce bosquet sanglant là, s'il vous plaît. Ok. Bon, on va faire de la place un peu. De toute façon, on en aura d'autres. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais, non. Dégâts tous esquive 6%. On perd un peu de vitesse d'attaque. Ouais. C'est pas fou, mais on a un peu plus d'esquive. Encore une fois. On n'est pas parti sur un build spécifique. T'as vu ma photo de présentation du Cinder 16 dans... Oui, oui, non, mais c'est n'importe quoi. Bah, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, je l'ai vu. Ah non, mais quand Bébert nous envoyait les photos de son jardin, on voyait que du blanc. Au passage, j'ai vu que t'avais laissé ça, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas comment tu fais. Hein. Moi, je vois déjà juste le truc zéro, là, je sais pas quoi. Comment t'appelles ça? Cinder, le Cinder 0, c'est l'enfer. C'est Nemps. 11-17. Non, c'est non. Du vampirims. Non mais là c'est pas mal ce que j'ai. Ah, on peut faire un village. On peut faire un village people. Faisons un petit village. Voilà, nous mettre ce village. J'irai là. Après il peut être ici aussi. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un truc de gobelin là. Attendez, faut que je le rec. Je vais le rec. Au revoir. Petit camp de gobelin là. Test d'attaque, dégâts à tous. Merci à tous. Aïe. C'est le matting. Ok. Ouais. Ah, on a gagné un truc. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Les dégâts sont augmentés de... Ah, bête. Chance de réaliser une contre-attaque lors d'une esquive. Oh merde. Non mais c'est trop fort. Forcément. C'est reparti. C'est parti pour le switch jutsu. Ah merde, je me suis trompé. C'est bon, les esquivaux. C'est bon, ça. En tout cas, GG, ça, Jdal. Hein. C'est trop balaze.
Trop balaze. Et quand je relance Tiny Rogues, déjà j'attends de voir si t'es là. Et après, tu me donnes des tips. Hein. Mets un bosquet sanglant collé à un autre. Alors, est-ce que ça se cumule? Parce que c'est quoi? C'est 15% de vie, je crois, ou je sais plus quoi, là? Voilà, doucement, 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 calmez-vous. Donc là, on cherche de l'esquive de dingue. De dingue. De dingus. La vitesse d'attaque de la régène de l'esquive du vampirisme, et c'est très très fort là ce que j'ai, là, j'aurais du mal à m'en passer pour l'instant. 18-26. Ah. Oui. Ouais, vas-y, on met des cartouches, c'est pas mal. 18-26. Mais là, il va falloir de l'esquive là maintenant. C'est l'esquive. Ok. Ah non, un camp de gobelins, quoi. Non, 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 cassez-vous. Faut que je garde un oblivion, moi. En vrai, là, c'est encore simple par rapport à la fin des runs, mais j'imagine, hein. Tips, trouve des armes crackhead, one shot les boss, donc ils peuvent pas te taper, c'est la win. C'est comme ça qu'on joue à Tiny Rogues. Hein. Mais fais attention, l'effet s'applique à toi aussi. Quoi ? Ses racines dévorent les ennemis. Quoi ? Tu as au moins de 15% de PV. Ah oui, d'accord. Tu parles du type de sage dalle ? Oui, qui peuvent me one-shot, je sais pas de quoi tu parles, Vince. Ce type s'applique sur tous les jeux vidéo. Chut, lui dis pas, il était fier de lui là. Il était fier de sa connerie. Alors attends. C'est pas une connerie, c'est une façon de parler, hein. C'est une métaphore. Métaphore de la vie. Ouais, non, super. Super. Je suis cartoucheman. Je veux de l'esquive. S'il vous plaît. Faut dire s'il vous plaît quand même. On a un petit 18-26 avec tout en mieux. Bah oui, bah là, on va pas cracher dessus. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Vitesse d'attaque ou de la régène. On a plus de 120 PV max. 121. De la défense. Un peu plus de défense. Et des dégâts purs en moins, mais... moi, je sais pas. Après... Ouais, non, ça se tient là, ce qu'il y a là, ça se tient, en vrai. Par rapport à vitesse d'attaque et vampirisme, c'est toujours bien. On le tank pas mal. Ouais, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, dégâts purs. Toujours pas d'esquive, ah si, de l'esquive là. 17-25 avec de l'esquive, bien sûr. Bien sûr. Oh, 8% d'esquive ici. Ouais. Ah, ouais. Les bosquets ont changé alors. Ah bon, c'est vrai? C'est vraiment les racines dévorent les ennemis. Donc ouais, c'est que positif en réalité. C'est que utile. On a 27% d'esquive, c'est pas mal déjà. Un bon début. Un bon début. Paf! Ah, un village people. Non, on peut faire d'ores et déjà un village people améliorated. Où est-ce qu'on peut le mettre d'ailleurs? On a déjà deux villages. Faudrait le mettre par là. Ah mais non, mais on peut déjà mettre des... Peut-être par là? Mais il va pas... Il va pas profiter. Peut-être le village peut le mettre là. Allez, ok. Ah non, j'aurais dû le mettre là. Trompède. Bon, c'est pas grave. Il faut pas trop non plus de... Re, Cookie! J'espère que ton cours de maths s'est bien passé. Pardon, hein, je parle des choses qui fâchent, mais... C'est la vie aussi, alors. De l'esquive, 12%. Ok. C'était chiant, j'imagine.
Tu as gagné la game d'avant, j'étais parti. Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai gagné. Ouais, Matt fait des vidéos. Tu connais pas? Ce serait sympa d'ailleurs. Un belge. Ah lui, bah oui. Les gens m'énervent aujourd'hui. Ah ouais, bon les gens, mais je sais qu'on fait partie des gens nous aussi, mais... Alors c'est pas tous les gens. Mais c'est vrai que des fois les gens ils sont chiants. En tout cas on les vit comme ça, on vit le chiantisme des gens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La merde. Esquive. Je le finis pas, hein. On se garde des ressources là pour... un rocher, là aussi. Je crois que c'était pas mal comme technique là, juste à la fin là, bam bam bam. Comme ça on cumule pas trop de stromons là. Même si là déjà, par contre un petit bosquet sanglant là, ça voilà, il va falloir un petit bosquet sanglant là quand même. Salut 10. Comment ça va 10 GG? Longtemps que je l'avais pas vu dis donc. Hé. Plaisir. Ça fait plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a vitesse d'attaque? Bois. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer je crois. De chacun. Je vous jure c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Incroyable. Quelle entrée fracassante. Bam. Comme notre build hein, finalement. Défense, dégâts à tous. Non moi je veux de l'esquive. Au moins c'est facile. Tu construis ton build en fonction... J'avais pas vu. Dégâts sont augmentés de 20% de la valeur de défense, d'accord. Changement d'avis. D'accord, le héros inflige pour chaque potion utilisée après avoir reçu cette caractéristique. Ah! Mais t'as une meuf sur Vinted qui m'a insulté parce qu'elle voulait mon sweet pull. Bière à 3€ au lieu de 8. Non mais... En Vinted, des fois, il y a des animaux, quoi. On va pas rajouter... C'est pas faux. C'est pas faux. Un émote sonore. Ah oui, c'est vrai. Peut-être. Tu veux dire en point de chaîne? Je suis d'accord avec Barty Croupon Junior. Parler, c'est dangereux. Est-ce que je prends ça? 20% de la valeur de défense. C'est fort, ça, quand même, non? Coucou, Diello. Comment ça va? Vous êtes des animaux. Avec un Z, hein. Coucou, Diello, ça va? Alors déjà, je suis pas une meuf. Ok, ouais. J'ai pas 8€ à dépenser, mais que 3. Ton sweet, ok, cookie. Donc tu me donnes, et puis c'est tout. Je le veux. Oh là là. Bon, on fait des pirouettes. Est-ce qu'il y a des cacahuètes? Non. Est-ce qu'on relance? Oui, en point de chaîne, bien sûr, bien sûr. Ça peut être rigolo, remarque, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Vas-y, bah oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée, ça, tiens. Attends, je vais le noter. Je vais le noter. Point de chaîne. Que j'oublie avant après. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire, mais... Point de chaîne, c'est pas faux. C'est non. Comment ça, c'est non? Je m'en fous, je m'en fous, gardez-le, votre torchon. Au moins, vous voyez, c'est bien. N'importe quoi. Oh là là, les animaux. Je te jure, quoi. Ça va bien, Dilo, ouais. Tranquille. Alors, attendez. Est-ce que je reroll ou pas? Vas-y, j'ai envie de voir d'autres trucs. Coup de bouclier, 10% de chance d'étourbier la cible pour une seconde après un coup porté. Ah! Même quoi? Le héros se jette dans la taille, oui. Chaque fois que le héros passe par une tuile, il sera soigné. Hein? Quoi? Attends, chaque fois que le héros passe par une tuile, il sera soigné de truc machin pour chaque tuile adjacente qui n'est pas une route. Ah genre là, soigner. Ça a l'air trop fort en effet. J'ai pris. J'ai envie d'aller se faire cuire un œuf. En train d'aller se faire... T'as bien raison, Cookie. En vrai, va te faire cuire un cookie là-haut.
Mais pas ici. C'est cookie gardé ici. Oh. Ah mais non, je suis con. Non, je suis pas con. Si, non, je suis pas con. Si, non. Bon, on va continuer comme ça. Avançons. On a des champs de blé. On peut le mettre quelque part. Non, on n'a pas de, on a pas de village people. On a plein de champs. La vérité. Ah, de l'esquive ici. On en a déjà. On a déjà de l'esquive et il est bien moins bien que celui qu'on a. Ah ben voilà, un village. Ah du coup, ça vaut le coup de mettre des villages partout là. Genre là, un village, ici. Ou là. Peu importe. Pum-pi-pum-pam. Tong-tong-tong-tong-ting. Tong-tong-tong-ting. Tong-ting-ting-tong. Par contre, des bosquets sanglants, j'aimerais bien. Alors, ils nous ont foutu deux bosquets sanglants dès le départ. Et après, plurine. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je dis, on met un... où est-ce qu'on met un village? Peut-être par là, en vrai. Hein, ici, là. Avec un champ, ici. Comme ça, là. Full soin, là, ici. On est censé avoir full soin. Vas-y. Je suis un dingue, moi. Ça, c'est quoi? Ok! Qu'il est con! J'ai peur! Si vous avez la foi aussi, n'hésitez pas à mettre les clips sur le Didi. Dans la. Rigoler! Rigolo, c'est Lootstar! C'est Lootstrat! T'as vu ça un peu? Je lui ai dit autant le donner pour 3€, elle m'a dit si vous le donnez, je suis preneuse! Ah ouais, je veux bien. Et par contre, tu payes les frais de port. Ah non, moi, je paye, tu me le donnes, alors je paye rien. Ok, j'ai à peu près 10 décos de décalage sur mon tel. Ah ok, d'accord. 10 secondes, tu veux dire 10 secondes de décalage sur ton téléphone. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ça va bien se passer. Respirez. Et ça me soigne, là, vraiment? Am I soignade? Ça marche là ici? Non, ça marche pas. Ici par contre, oui. Mais pas là! Trompette. Mais putain, mais. Qu'est-ce que je fous, putain? J'arrive plus à viser. Oula, il y a beaucoup de monde là. Oulala, oulala, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, j'avais pas vu. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ah, il n'y a pas d'esquive, dommage. Il était craqué, non? Beaucoup de défense. Mais ils donnent des trucs vraiment craqués, c'est que des anneaux on dirait d'ailleurs. Les trucs de feu là, les machins de feu. Vitesse d'attaque, du contre et de la régène. Ouais, moi non. Notre anneau là il est vraiment fort hein. 21-30. Ouh. Pas mal ça. On aura pas les dégâts à tous mais on fait beaucoup plus de dégâts. Et ça c'est beau. Et on garde de l'esquive. Merci. Oh là là, oh là là. Oh, il nous a gavé lui. Il nous a gavé. Ah par contre on a esquive ici. Esquive, régène, contre et dégâts à tous. Merci à tous. Bon, on a plus de vampirisme par contre. Ah quoi qu'on peut l'avoir là peut-être. Dommage, il n'y a pas d'esquive. Ah. 22-34. Vitesse d'attaque et dégâts. Ouais, je pense que c'est quand même mieux. Ok. C'est un le port quoi? C'est elle le port, c'est ça ouais. Tu veux que je sorte mes talents de voyante? Normalement tu dis oui. Ah oui, 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 oui! Comme tu savais. Alors. 25-37 là aussi, hein. Mais on n'a pas d'esquive. On a 10% de vampirims. On a plus de vampirisme là? Non, ici il y en a 7%. Tu tires des cartes et qui? Bah, deux et qui? Parce que moi je tire pas les cartes, moi. Je vois. Que toi, Bébert, vous êtes amis depuis plus de 20 ans. C'est faux! C'est faux! C'est beaucoup plus! Terrible.
Ouais, non, mais là... Ça y est, la voyante, là, elle me fout le seum, là. Pas parce que... Bébert... Mais non, c'est pas faux. C'est plus que ça, c'est tout. Je suis plus vieux que ça, encore. Bébert aussi. Il n'y a pas que moi. Cookie, as-tu vu dans ta boule que tu tomberais sur cette meuf dans Vinted? C'est lui qui me l'a dit. Non mais depuis plus de 20 ans, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, il a raison. Il a pas menti. Non, je dis c'est faux dans le sens, ça fait bien plus de 20 ans. Et c'est, du coup c'est vrai. Ah, puis vous avez compris quoi. Je suis en train de canner là, je regarde pas ce qui se passe. Je regarde pas du tout ce qui se passe. On a de l'esquive ici. On s'en fout. Ouais. Il y a de l'esquive là-dedans, ouais, il y a de l'esquive. Hein. J'ai combien de 38% d'esquive? Dégâts purs, régène. Ici, on a de l'esquive 9%. Ah, la ça, c'est pas mal. Ça me plaît. 14%. En vérité, bon. Combien d'esquive? 44. Moi, j'étais pas mal. J'étais bien. Avec un petit 50% d'esquive. Ça m'avait plu. J'avais eu, tu vois, ce truc-là. Ça m'avait fait quelque chose, quand même. Ah, une nouvelle salle au trésor. Je vais la mettre là. Hop, 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 là, tu vas où? Ok. On va garder les ressources. Hein. Une, deux, trois. À finir, on peut en continuer une là. Voir ce qu'on va faire. Très bien. Jusque là, tout va bien. Presque. Tu dois y aller. Donc, des bisous, Cookie. À bientôt. Courage. Belle journée à toi. Et à tout à l'heure si tu repasses. Mm-hmm. Bah, par contre, ça fait beaucoup là. C'est vrai que des fois, les lanternes, tu vas nous filer plein d'annals. Est-ce que ça, je veux le garder? Parce qu'il y a quand même beaucoup de vie. Mais bon, je perdrais 12 d'esquive. Ça, c'est moins cool. Mais là, je me fais un peu défoncer. T'es plus vieux que lui. Ouais, je suis plus vieux que Bébert. Ouais. Oh. Vitesse d'attaque. Par contre, eux, ils donnent du loot, hein. C'est fort, quand même. Hein. Ah, mais il y avait une quête au milieu de tout ça. Ah, merde, il n'y a pas d'esquive. Dommage. Dommage, les gars, dommage. On peut mieux faire, là. 14 d'esquive, je peux pas me permettre. De quoi? Mais d'où vous êtes là, vous? Hein? Mais... Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? C'est quoi, cette ligne, là? J'ai pas compris. Combo de zone. Je me suis fait ouais, éclater surtout. Ah j'ai... Surtout je suis mort, non? Elle était juste derrière moi, oui. Mais du coup je suis mort? J'ai régène, j'avais full life. Alors que j'étais en train de canner, je pense que je suis mort du coup. Comment, où est-ce qu'on a vu? Putain, mais on voit pas la régène, c'est où? Compteur de boucle. La résurrection, elle est où? Je me fais défoncer. C'est normal ça? Comment ça se fait d'ailleurs? En vérité, je ne comprends pas pourquoi je me fais éclater. Mais j'ai pas d'armure? Attends, mais je comprends pas, je comprends rien. J'avais pas d'armure? Mais... Tu m'étonnes que j'ai canné comme un tarde? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Non mais forcément. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Pourquoi? Vite! L'arbitrage vidéo.
Au secours. J'ai rien compris. Je comprends. Mais en plus, j'ai utilisé ma résurrection pour rien, quoi. Comme ça, gratos. Myrte. Fuis. Bah. Non, pas forcément, mais. Non, mais il y a un build sympa, il y a un truc sympa à faire là, je crois. Mais c'est vrai que je vais un petit peu canner, quoi. Ok. Aïe. Mais non, mais je sais pas qui c'est qui m'a pris mon armure, bordel. Ah, mais c'est vrai que c'est plus dur, là. Peut-être que j'ai été un peu présomptueux avec tous ces champs, là, et ces villages. C'est possible. C'est possible. Je sais pas. Pourtant, l'arme est pas mal, hein. Celle que j'ai est pas si mal, hein. Elle est bien adaptée à ce que je recherche. C'est où la fin? C'est là? Moi je suis où? Là? Ah oui d'accord. Ouais, faut que je fasse tout ce tour là. J'ai utilisé toutes mes potions. Aïe. Non mais esquive mec. Pourquoi j'ai que 32%? Ah mais oui, j'ai perdu de l'esquive en perdant mon armure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, là, je suis choqué. I am shocked. La choquitude est totale. La choquitude est totale. C'est où? Là. Oh là là, c'est la mort. Heureusement, 12% d'esquive. Ici, il y a la vitesse d'attaque, décap pur et du vampirisme. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le bouclier. Je crois. Hein. Encore? Une résurrection. Ah, le bouclier. Ah, bouclier ou résurrection? T'as croisé des voleurs? Peut-être t'es reparti sans chemise, sans pantalon. C'est possible. Non, mais c'est nouveau, ça. C'est une nouvelle feature du jeu, quoi. Il pourrait prévenir quand même. Putain, on a plein d'XP en plus là. Comment ça se fait? C'est le troisième truc qu'on récupère là. Non, deuxième truc. Enfin, non, c'est le troisième là, oui, pour le coup. Et sa première attaque, 75% de chance d'étourdir chaque ennemi pour une seconde. Mais sa première attaque, c'est nul. Première attaque d'un combat. Bon, bah si, ça peut temporiser, mais. Non, mais le bouclier là. Le bouclier. Après, la résurrection, c'est fort aussi, hein. Si je peux résurrecter contre le boss en full life, ah, je sais pas. Faudrait déjà que je passe tout ça. Moi je dis résurrection, non? Mais à mon avis, je vais jamais la passer là. Je peux pas passer là. Faut que j'arrive jusque là. Ah mais non, de toute façon, le boss n'est pas encore arrivé du tout même. Oh là 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 là, je suis dans la demeure. Je suis tellement dans la demeure. Et ouais, mais aucun bosquet sanglant. Terrible. Bref, des illusions. De la défense. Ok. Ok, c'est la merde. Ouais. On a que 33% d'esquive. Putain, mais je suis déçu là aussi. Bon, faut prendre quelque chose là, de toute façon. Faire quelque chose. À votre avis, résurrection ou bouclier? Dans les deux cas, je vais mourir de toute façon. Donc, si je fais le boss, je meurs là. Dommage parce que ça pourrait être sympa, hein, mais. Bon, allez, résurrection. J'ai combien de vie? 400? Allez, résurrection. Je crois en ma bonne étoile. Esquive, 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 esquive tout. Esquive tout, Michel, tout. Faut tout esquiver. Non, t'esquives.
Bravo. Bravo. Ok, pas d'esquive. Putain, zéro esquive nulle part, y'a de l'esquive nulle part. Ah si, là, 9% d'esquive. On a de la régène et du contre. Par contre, je perds à 22% de vampirims. Putain, j'ai chié, je sais pas ce que je fais. Parce que là, le vampirisme, j'ai 36% de vampirisme. Attends. Bah oui, je sais, mais bon, tant pis. Toujours plus d'esquive, mais moins de dégâts. Non, ça va pas le faire. Gros bouclier, ça, par contre. Mais 14% d'esquive en moins. Ah, le bouclier qui me mettrait un peu mieux, quoi. Mais moins d'esquive. Après, la survie, quoi, aussi. Hein. Je le garde, mais je sais pas. Ah là, c'est tendu. Tout à l'heure, c'était plus limpide. Ici, il y a de l'esquive aussi. 7%. Ah, peut-être que dégâts à tous et défense. Non, en vrai... non, en vrai, mon truc là, il est bien. Hein. Tout est bien, là. Je suis pas mort, hein. Ouais, ben, je suis quand même mal barré, hein. 32%, c'est beaucoup, ça. Bah, je vais canner, hein. Ah, je vais Guillaume canner, là, c'est sûr. Là. Ici, je canne. Ça me fait chier. Il me reste 58 PV. Mm-hmm. Non, mais ça sert à rien. Allez, nouveau succès, tant pis. Ok. Le jeu qui me troll. On peut fabriquer des trucs ? Est-ce qu'on peut construire quelque chose, surtout ? Ah oui, on peut construire la ferme. La ferme. Et la crypte aussi. Oh. Temps de faire un café, il est mort. Bah oui, mais là, ça servait à rien. Ça servait à rien. C'était. J'ai fui. Je suis pas mort, c'est vrai, je suis pas mort. J'ai fui. J'ai pris la fuite. Mais j'ai pas pris la fuite assez près du camp pour récupérer un maximum de ressources. Dommage. Mais cool. Ah, nice. Je sais pas si c'est nice de fuir. Moi, j'aime pas ça. Hein. Ah, c'est quoi ça ? Une hutte en terre. Qu'est-ce que ça fait ? Vous pouvez donner aux habitants un meuble, de la nourriture à entreposer. Ok. C'est quoi ça ? Effet de la réserve active. Oui, d'accord. Et ça, c'est quoi ? Ah, c'est pour... Bah ouais, mais c'est des combos, j'imagine, quand t'en as 50. Et j'ai pas à récupérer un... J'ai pas récupéré un meuble ou je sais pas quoi là. J'ai pas dû le récupérer peut-être, il fallait finir. Il fallait retourner au camp, j'aurais dû partir avant. Ah dommage. Ah je peux fabriquer un objet. Ouais mais est-ce que c'est une bonne idée? Non parce qu'il me faut ça et j'en ai combien? Ah ouais j'en ai 10. Peut-être que je peux faire ça par contre. Faire ça, faire ça. Vas-y on va construire ça. Je sais pas, là. On construit ça. Bientôt, nous pourrons fièrement appeler notre humble camp un village people. Bien que ce ne soit qu'un abri à moitié couvert de boue. Je m'y contente, ça. Nous sommes vraiment reconnaissants. Les gens sont épuisés tant physiquement que mentalement. Cet espace privé, qu'ils pourront appeler maison, apportera un peu de réconfort. Waouh ! Trop bien. Alors, fabriquer. Je crois que je peux toujours fabriquer, ouais, c'est bon. 5, il m'en faut. Vas-y. Schlack ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une poignée de petits clous pour réparer les semelles et les petits talons. Il serait préférable de les envelopper dans un morceau de tissu si vous voulez les emporter avec vous. Les assaillants reçoivent un dégât après chaque coup. C'est mignon. C'est mignon, c'est pas fou mais c'est mignon. Ok. Very well. Expédition, c'est reparti. Je continue, je tente d'essayer de trouver un truc. Est-ce qu'on a débloqué des trucs ? Non. Est-ce qu'on essaye autre chose ? Bon, le bosquet sanglant, je vois pas comment on peut s'en passer, c'est pas possible. Les ruines, c'est pas mal, hein, mais il y en a beaucoup qui apparaissent quand même. Est-ce qu'on mettrait une lanterne ? Une salle au trésor ? Peut-être pas la salle au trésor, et c'est vrai que la salle au trésor, c'est fort quand même. Comment on pourrait essayer de faire ça ? Oh, un bosquet sanglant, ouais, mais bon, on n'en a pas tant que ça. C'est rare quand on est plus de 2 ou 3. Quand 3, ouais, c'est peut-être le max que j'ai eu. Une fois 4 peut-être, mais pas sûr. Même pas sûr.
Non, mais le... Pourquoi pas, hein? Le marais, attends, ça fait quoi déjà le marais? Va apparaître un moustique tous les 3 jours, ici les effets de soins infligent des dégâts, sauf les potions qui demeurent de fidèles alliés. C'est beau. Bon, ça c'est indispensable évidemment. Moi je connais pas plus de ça là, plus de ressources du style. Je sais pas. Bon, moi je dis on reste comme ça. Ouais, on va rester comme ça. On va retenter un petit peu. Tenter le coup. Calme-toi. Ah, direct. D'accord. Petit chant. Chant de blaze. C'est quoi? C'est l'esquive, ça, déjà? Direct. Ok, ce bruit. Oui, ce bruit. Ok. On saura pas. Oh, double champ de bataille qu'on va mettre là d'ailleurs. On va mettre un peu le long là. Vitesse d'attaque. Dégâts purs contre. Non, c'est bien. Ah, un village. Il peut y avoir un village ici. Ou plutôt, attends. Il y aura là, peut-être là. On pourra mettre un village ici. Ok, salaud trésor. Mais c'est quoi ce bruit? J'ai jamais entendu ou j'ai jamais fait gaffe peut-être. Je sais pas. On n'a jamais su. Ah, tout à l'heure d'ailleurs, j'ai pas récupéré mes ressources. Ça, c'est un peu con par contre. Ça, je dois avouer, c'est un peu teuteux. Bien joué. Putain, mais des fois, je fais trop vite. Les ruines. Les ruines, on peut en mettre une là. Oh, joli. On est tombé pile dessus. De la défense, des esquives, des dégâts purs. Ouais. Non, mais l'esquive, c'est pas mal. Petite montagne, là. Du distinct. Ok. 4-6, c'est pareil. Ça me rend fou. Nouvelle quête. Je sais pas pourquoi ça fait ce bruit, là. Contre-régène, oui, c'est toujours mieux, de toute façon. Je dois partir. Au revoir, tout le monde. Je ne sais pas si là il va durer après 15h. Et non, justement, on finit à 15h, mon cher 10. Dommage. Mais en tout cas, c'est cool de t'avoir vu. J'espère que tu vas bien. Et je te souhaite une belle journée. Merci d'être passé. Et à bientôt. Bye bye. Petit chant de... Oui. Ouais. Dégâts purs. Ouais. Le surcontraint, avec plaisir. Avec le zizir. Alors. On tape. Qu'est-ce que j'ai? Moins 4,2 de défense. D'accord. Oudoboudoboudoum. 4-6. Je joue pas d'arme là. J'ai pas une petite arme sympa? S'il vous plaît. Peut-être à voir des trucs ici là. Un petit village d'ailleurs. On peut faire un village là. Attendez. Au secours. Salut Stellou. Merci Serda. Ça va Stellou, j'ai un peu froid. Un petit peu froid. Mais ça va sinon. On peut mettre un village là. Ça c'est pas cool. Je voulais mettre un bosquet sanglant ici.
petit bat. Oh, le petit bat. Ah, du coup, ils attaquent. Et je peux pas les attaquer, c'est ça? C'est ça. Ah, quand c'est collé. J'avais jamais fait gaffe. Oh. Oui, quand même. Par contre, ils sortent des objets craqués, eux. Très souvent, quand même, on a du... On a... Manoir. Un miroir raffiné. Trop bien. Putain, mais on trouve plein d'objets, là. Des fois, il faut juste faire des expéditions et partir au bon moment, hein. Je crois que c'est ça. Ça va, Stellou ? T'as passé une belle nuit ? Soigned. Ah, une arme là. Non ? Attends, c'est pas ça. 4 ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des attaques contre. Ouais. Dégâts purs, défense et vitesse d'attaque. Bah, dégâts purs 7, c'est quand même pas mal. Ah, ici, on a l'esquive. Vitesse d'attaque. Ouais, j'aime bien ça. J'ai pas fait gaffe. Du Vampirims. Oui. C'est quand même mieux. C'est quand même meilleur. Ce matin, un réveil en fanfare par le technicien de NJ qui passait pour le chauffe-eau. J'avais totalement zappé. Oh merde. Ah, c'est pour ça que tu faisais de la muscu à donf là, pour check your body juste derrière comme ça. Dire, alors, NJ, hein, ça te plaît, hein. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai craqué mon slipe là. Arrête. Bah, on se calme, oui. Non, je sais pas. C'est parce que t'as arrêté pas de dire la dernière fois « Oui, j'ai une bombe et tout, je sais quoi. » Mais c'est peut-être pour ça. Peut-être que... Il y a peut-être eu un crush sur le mec d'Engie. Tu l'aurais peut-être pas oublié dans ce cas-là. Oh, ça va, c'est pour rire. De l'esquive... Attends. Vitesse d'attaque contre et esquive. Ouais. Ouais. Je suis pas fan. J'ai percé à jour. Je savais. Non, je savais pas. Je sais rien du tout. La seule chose dont je suis sûr, c'est que... j'ai dit beaucoup de merde. J'ai dit beaucoup de conneries. Ça, c'est sûr. Là, on est sur une sûreté à peu près sûre. Jack. Ah merde, j'aurais pu maximiser. Ah oui, d'ailleurs. Ah oui, c'est pas con ça d'ailleurs. Ok. Je comprends. Un bosquet. Il faut pas mettre des trucs autour de ça là, parce que quand il y a des. Non, ouais, ça fait chier en fait. On va mettre un bosquet ici. Pour le coup, je suis obligé là. Oh, c'est une quête. Oh, je risque de prendre cartouche là. Non, ça va. Ça va. Ça se gère. Du contre, des dégâts purs. Du Vampirims. Oh, j'aime bien celui-là en vrai. Ouais. Pling. 14-20. Ah. Ouais, vas-y. Je sais toujours pas ce que c'est que ce bruit. Hein. Ah, de l'esquive, t'as. Ouais, j'aime bien l'esquive, mais pour l'instant, on n'a pas de... Ah, si, c'est ça. As de la manche. 10% de chance de garder la carte après avoir placé une tuile. Elle ne fonctionne pas pour les cartes dorées. Ah. Le héros laisse 10% de ses trouvailles dans un camp en passant par une tuile feu de camp. D'accord. Le bouclier, j'aime bien. Ça, c'est pas mal aussi. Je vais prendre le bouclier. Un bosquet ? Bosquet. La bosquet. Ici ? Là, non, là. Quoi ?
Ah bah, c'est un, une mic. Oh, le mimic. Oh, je me fais défoncer. Tout. Tout vous serez tout. Ah, attends. On va le mettre là. Jusque là tout va bien. Je sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais je crois que c'est pas trop mal. Hein. 13% d'esquive. Là on n'a pas vraiment de build spécifique, donc on attend de voir. On a quoi là? 14-20, 12-18, Vampirims. Pour l'instant on a un bid un peu contre, mais... On a rien gagné? On gagne des trucs normalement. Prairie là. Je sais pas si je rajoute un bosquet là, c'est déjà pas mal. Ah, de l'esquive. On a de l'esquive ou du Vampirims. Esquive défense. Vas-y, on va prendre ça. On a du vampirisme ou pas? On a plus de vampirisme, ok. Super. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? 14-22. La défense, la vitesse d'attaque, la régène. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'apprécie. Ah, un bosquet sanglant. Alors, le bosquet sanglant, où est-ce qu'il serait le plus utile? Je crois que c'est ici. Hein. Merde. J'avais pas vu qu'il y avait un camp de gobelins juste là. Re-Albator. On va le mettre là et puis... on va prier. Il y a des esquives là-dedans, dans ces petites bêtes là, en général. Ah, c'est pas mal en plus. On va partir là-dessus. Ah, un peu de viande. Ah oui, il y a de l'esquive là. Je suis parti sur de l'esquive, hein. On dirait que j'aime bien l'esquive maintenant. Pas sûr que ça soit le plus efficient, mais... Par contre, 520 de vie... du dégât pur et du contre. Voilà, on a de la défense juste. Ouais. Pas fou, hein. Je sais pas trop. Je le mets de côté au cas où, mais... Je suis pas fan. 16-24. Quand même. Putain, mon bouclier, il tient pas beaucoup. Ah, 23-35, par contre... En vrai, si, ouais. Pour l'instant, s'il n'y a pas... C'est pas assez fou. Pas mal, là. Dégâts purs, 11. Ouais. Ouais. Ok. Petite prairie, hein. Peut-être répartir les ressources. Merci. Un village. On l'appelle Ekither. Bah oui, c'est ça, ouais. Ça va t'arriver à faire des builds solides maintenant. Ça va t'arriver à faire des builds solides. Ben... Bah, je suis pas encore fan quand même. Hein. Ah, de l'esquive, ça c'est pas mal. Ça me plaît ça. Il me plaît lui. Tu me plais toi, tu me plais. Non, c'est de la merde. C'est juste de la merde. De la merde. Alors eux ils vont... La cartouche. Non, ça va. Voilà, on esquive bien là. C'est combien d'esquive? 23% pourtant, c'est pas fou. Ok. Ok, on va le mettre là. Je sais pas si je rajoute des trucs là. Déjà, il y a quand même pas mal d'ennemis là, hein. Ça va aller là. On fait pas de dégâts à tous, non. On a pas de dégâts à tous. Merci à tous. Non, mais en vrai, on mettra pas ça. Vas-y.
Ah, deux oblivions, ça c'est gentil. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. D'accord, Axel, t'as compris ? Faut plus que tu parles avec des gens, hein. C'est fini ça. Ça, c'est fini, c'est l'époque est révolue. L'époque de la communication est révolue, Axel. Voilà. Bon, à part avec nous, bien sûr. Avec nous, tu peux. Tu dois même. J'espère que tu vas bien, Axel, bienvenue. Bienvenido. Bienvenido, ami, ami. Allez. Allez, on casse la tête, on casse des bouches. Allez, allez, on trouve du loot là, on trouve du loot là. Allez, hop, hop, hop. Allez, ça envoie le loot là, ça envoie le loot. Allez, on envoie le loot. Au fait, tu sais que la dernière fois, tu m'as offert un abo sur 3 mois, bien sûr. Bien sûr, je le sais. Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'est-ce que tu lui croyais, bâton ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je suis vieux, mais je bouge pas encore. Hein. Pas encore. Je le dis pas encore. Hein. Je suis réaliste. Hein. Tiens, c'est nous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Alors. Bah c'est la mode en chef. Il fallait au moins ça, quand même. Alors. Mais j'ai dû ripper, j'ai pas fait exprès sûrement. C'est fou, hein, mais... Alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ça fait plaisir, t'inquiète pas. Hein. Ah, un bosquet. Un vrai bosquet. Bouscao. Bouscao. Pourquoi je peux le mettre là? Ah, je peux le mettre à côté d'un bosquet. Du coup. Pas mal. Et est-ce que je pourrais pas le mettre là plutôt? Là, je peux... Mais non, je peux pas. Est-ce que c'est là, ici, ou là? Ils sont bien relous, hein. Là, ça serait une belle combinaison. Ok, j'arrête de parler. Ça s'est retourné contre toi, Axel. Tu ne sais plus quoi faire, il est perdu. C'est moi qui ai déclenché le truc. Ah, j'ai débloqué ça. Ah, attendez, d'abord, je vais aller voir ce qui se passe là. On sait jamais. Chaque contre... Quoi ? Chaque contre soigne le héros. Hein ? Ah ! C'est fort, ça. On va jouer contre du coup aussi maintenant. Mais au secours. J'ai pas vraiment penché dessus, mais il va y en avoir remboursé, oui. Quoi donc? Depuis que les consultations sont remboursées par la sécu, il se met bien le streamer. Enfin, ça a aucun impact sur moi, mais... Enfin si, peut-être qu'il y a plus de gens qui viendraient. Mais pas tant que ça, non. Pas tant que ça, tu sais. Moi, en tout cas, je l'ai pas trop senti. Et je me mets bien... Oui. Ça dépend des mois, ouais. Je suis en privé, oui. Là, je suis juste en libéral, moi. Il fut un temps où je travaillais... Je travaillais dans une clinique, mais je suis parti. Je me suis lancé en freelance. En freelance de moi-même. Là, je l'ai fait trop tard, ça. Ça fait 1000 ans que je suis censé l'avoir fait, ça. Je suis où, moi, là? Là, ici. Par contre, ce bosquet-là, il faut un bosquet, là, quelque part. Respectons-nous. Bon, je le mets là. Ah, merde. Là, c'était pas mal, là, aussi. Pas grave. Ok. La régène. Donc là, il nous faudrait jouer du contre et esquive. Sauf que c'est pas... Je sais pas si c'est très, très malin, en fait. En vérité.
peut-être pas. Donc j'ai combien? J'ai 8% de contre et 23% d'esquive. Sinon faut jouer full contre alors. On joue full contre? Peut-être c'est ça qu'il faut jouer. On joue full contre. Allez, pourquoi pas full contre? Allez, c'est parti. 14% de contre. Il y a plus de neige, il y a presque plus de neige chez toi. Moi, j'ai même pas regardé par la fenêtre ce matin. Je me suis réveillé, j'ai fait vite le stream, c'est où? Joue ta stat favorite. C'est-à-dire l'esquive. Pour l'instant, c'est l'esquive, mais là, pour le coup, il faut jouer aussi avec ça. Faut que j'utilise ça quand même, le bocle. C'est tellement beau hier soir. Ah, tu peux regarder les photos de Bébert, peut-être. Photos de Bébert sur le Discord. T'as pas un buff sur l'esquive? Ah non, non. Et là, je sais pas, j'ai pas regardé par la fenêtre tout à l'heure. j'ai pas regardé. Vous pouvez demander à Google si vous voulez, mais... Voilà, faut jouer full contre, quoi. C'est beau, hein, c'est vrai que c'est beau. Il a une sacrée couche. Il en tient une sacrée couche, le bébé. Jamais douté. Hein. Tiens, on va prendre ça. Ah, ça, c'est pas mal aussi. 18-26, ouais, mais là je perdrais beaucoup de dégâts quand même. Mais bon, on gagnerait du contre. Qu'est-ce qui amène du contre? Ah, ça aussi. 14-22, 18-26, donc ce serait pas ça, c'est sûr. Bon, on a rien pour l'instant, à part ça peut-être, mais. 7% de contre. Et de la régène, beaucoup de régène en vrai. On va tenter. Je sais pas. On peut pas faire. Alors je vais le garder pour l'instant et... Il n'y a pas de contre. Il y a de l'esquive, mais il n'y a pas de contre. Dommage. Après, il y a un peu plus de... Bah, il nous sera quand même utile. Ah, il y a du contre là-dedans. 18-26. Pareil, 18-26, mais avec... Ah, c'est exactement le même truc. Plus de contre et de la régène. Mais moins de régène. Bon, vas-y, on va tester. Le froid, c'est nul. Oh, ça dépend. Moi, en vrai, je préfère quand il fait froid. Bon, quand tu peux t'habiller, évidemment, parce que sinon, ça le fait pas. Donc ça sert à rien de le garder. Je pense pas... On est sur un 18-26. Ouais. La prairie, non, on n'a pas... Non, on n'a rien, là. Il nous reste un Oblivion. Ah, du contre. 10% de contre et 6 de défense. Après, ouais. Ouais, si, mais il faut jouer contre là. Elle est contre 30% de contre. Esquive 9%, dégâts purs. Une grosse armure avec du contre là et c'est parti quoi. Aïe. Ok, c'est bon. Une grosse armure avec du contre, j'ai dit. T'existe ça? L'esquive de la défense. Bah attends, on va mettre ça en attendant. Un champ de bataille supplémentaire. Ouais, rien à foutre. Des ruines, des prairies. Toujours plus de prairies. Là, ici, ça sert à rien, donc on va mettre ça là. Allô? Non, il faut que je les garde. Il y a combien de villages? Deux villages. Je peux peut-être mettre un village là, hein, en vrai. Toujours pas la bibliothèque, non? Je crois pas. Je sais pas. Ça me dit rien comme ça. Putain, mais pourquoi j'ai ma vie ici en chips là ou quoi là? J'ai envie de pisser encore, c'est pas possible. Ça fait trois fois que j'ai pissé ce matin là en 4 heures. Oh, je suis en train de me faire défoncer là. Vous, je sais pas, mais moi je me fais défoncer. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la créatine. Peut-être que je suis trop créatif, ça. Ok.
Ouais. Je l'ai à deux mères. Oula. Pourquoi 21% de contre? Mais pourquoi? Ils me l'ont volé? C'est ça qui s'est passé tout à l'heure, j'ai perdu mon armure comme ça. Putain mais faut que je vérifie hein. Donc j'ai perdu... Oh putain mais merde. Les petits battes. Les bâtards. Ah là là. C'est horrible. Ouais, faut pas faire de village, c'est la merde les villages. C'est bien de la merde. Ah, les villageois ils vont tous faire un... Ouais, ouais. Ah mais là j'ai perdu... Putain mais j'étais à... J'étais à 40% de contre et je suis reparti à zéro quoi. Chier. C'est mieux ça. Je perds 1% mais je gagne deux autres trucs. Non mais je vais encore canner quoi. C'est pas possible. Et ça sert à rien. Ça soigne rien. Oh. Ça soigne rien. La montagne. Oh, je suis canné, j'ai pas vu. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ici? Dégâts purs. 13% de contre. Ok. 33% de contre. Ah! Un bosquet sanglant. J'ai un bosquet ici, oui. Je peux aussi mettre un petit bosquet là. Dommage. Ouais. Et mettre le bosquet sanglant ici. Ok. Un peu de soin, c'est pas dégueu. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Pas sûr, mais bon. 20-30. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ah, 8% de contre. Bien. C'est non. C'est non. Salut, Bébert. Comment ça va? Bébert a fini de déneiger sa région. Hein. Le déneigeage de sa région. J'ai déjà perdu tout mon bouclier, c'est génial. C'est formidable. 41% de contre. Au secours! Vitesse d'attaque. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, quoi, 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 quoi. 8%. On a 14% ici. Attends, 500, 600. Ouais. C'est des dégâts purs. C'est ce qu'on veut. Ça, c'est peut-être un bon compromis en vrai. Mais il n'y a pas d'esquive. Ouais. 13% d'esquive aussi, c'est pas mal. Hein. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que quand même 20% de contre c'est plutôt pas mal. On peut essayer, je vais garder ça et je vais mettre ça. D'essayer. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et il fait jamais de contre en fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? 11% de contre. Par contre 22-32. On en parle de ça ou pas? Dégâts à tous, dégâts à tous, merci à tous. Je crois que c'est quand même mieux. 13% de contre, ah. Vitesse d'attaque, défense, dégâts à tous, ok. C'est ok. Ah. Un peu plus de contre, mais un peu moins d'esquive. Dégâts à tous 4, moi j'aime bien. Ah, 25-37 par contre. Peut-être pas fousser hein.
Après, peut-être mon erreur, c'est qu'on peut peut-être pas faire un build tout entier là-dessus, quoi. 1,5% boucle. Je sais pas comment on calcule ça, mais... Ok. Je me fais défoncer. Adieu ? Ah oui, adieu ? J'en ai marre. Au secours ! Je passe une tête dans le chat de temps en temps et je me remets en full screen, ok. C'est beau, Solena. T'as 0% contre le bébé Lando, visiblement. Bon, je crois que c'est le décès, hein. Tu disais quoi, le bâtard, sur le fait que j'arrive à construire des builds qui se tiennent ? Qui se tiennent ? Je sais pas quoi faire. Il est vraiment dur, le niveau 2, je trouve. Vitesse d'attaque, régène, un peu de régène peut-être, mais c'est trop tard, là. Il me reste 12 PV, et je prends un coup et c'est finish. En plus, il y en a deux. Ouais, bon, ben on se casse, hein. Pas le choix, hein. Là, ce niveau 2, quoi, il est... J'ai vu un gars jouer avec la rivière et les montagnes. C'est quoi la rivière ? Bibliothèque plus bibliothèque, et c'était insane. J'ai pas la rivière, j'ai pas la bibliothèque, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut construire des trucs ? Bah, vu qu'on s'est barré, on n'a pas récupéré beaucoup de ressources, donc non. Bah voilà. Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs ? On ne peut pas fabriquer des trucs. Par contre, on a récupéré un comme ça, c'est bien. Mais ça ne suffira pas. Bon, on tente une dernière expédition, mais comment on peut faire ? Peut-être essayer de rendre ça encore plus... Je sais pas. Début de chaque jour, soigne 2 PV au début de chaque jour. Bon, de toute façon, je m'en souviendrai pas. Hein. Il peut me le dire, là, c'est pour ça que je dis rien, mais enlève les ruines. Ben, les ruines, ça donne quand même des objets sympas. Hein. Bon, ou alors, j'enlève les villages. Mais non, mais c'est fort, les village people. Non, surtout que je dois en prendre 2 en plus, donc... Ou alors, j'enlève bosquet. C'est un peu fou, bosquet, mais... Je fais village, blé, marais... Et les vampires. Oui, je veux pas savoir. Oui, enfin, ce serait un backseat, oui, c'est pas bien méchant, encore une fois, j'oublierai sûrement, mais je vais la découvrir. J'aime bien découvrir la bibliothèque quand je la construirai. Elle est où d'ailleurs ? Elle est là. Elle est juste là en plus. On fera peut-être les archives. Du coup, je ferai peut-être les archives. Comme ça, on aura peut-être la bibliothèque d'accessible. Putain, il y a pas mal de choses quand même. Hein. On a débloqué quoi ? Peut-être pas la moitié, non. On a débloqué peut-être un tiers ? Un tiers des trucs. Ok. Donc c'est quoi là ? On ferait salle au trésor, Oblivion, rocher, prairie, manoir de vampires, champ de bataille, village people et démarrer. Allez. Mais t'inquiète Albator, pas de soucis. Merci de demander, en tout cas c'est cool. Et contre toute attente, je vais aller pisser. Putain, j'en JPP. Vestie de myrte. Allez, je reviens YouTube, bouge pas. Re-YouTube. Vas-y, on s'entente une petite der là, une petite der. Quelle heure il est ? Ouais, ça, il nous reste 20 minutes là. Est-ce qu'on tente une petite der qui t'a canné comme un con ? Est-ce qu'on n'irait pas avec le... Ah, vas-y, je pose même pas la question. C'est non. Cette fois-ci... Attends, arrête. Arrête. Mais j'ai pas de... Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. D'accord, ça va. T'es pas content parce que... Parce que t'es jamais content ? Comment ça se passe ? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Nick. Les marais, là. Ouais. Ouais.
Tu peux me filer une arme là? Rien que de voir Eki en t-shirt, j'ai froid. C'est vrai qu'il fait froid là. Ah, j'ai commencé, il faisait 17 dans la chambre. Encore ça va, hein. 17 ça va. Mais il faisait un peu frais ce matin. Ah oui, surprise, ah oui. Ah, tu m'étonnes, Stelou. Ah, on va faire un petit... on va faire la salle. Tu vas faire de la salle. Un oblivion. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Du contre. Dégâts à tous, merci à tous. De l'esquive. Ah, des bottes. Trop bien. Dégâts purs et des chances de crit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des... Il fait des crits, lui. Je lurque jusqu'au docu. Ok. No problemo, worker. Bit. À tout à l'heure. Merci en tout cas de ta presence. C'est beau. Tac, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Du contre. Moult contre. En vrai... ouais. Et c'est beaucoup ça. Beaucoup de vie ça. Des bottes, quoi. Non, je l'ai eu. Putain, j'ai pas mis trop de temps à la trouver, à la comprendre celle-là, bravo. C'est ridicule, mais... Pas ta blague, bébé, évidemment. Blague, c'est goldé. C'est tout ce qu'on a, quoi. On peut pas même... Je comprends pas pourquoi il peut mettre un petit anneau, quand même. Merde. J'ai oublié quelqu'un passé ce matin. Je pensais que c'était cet après-midi. Ah, dommage. Ah, j'ai enlevé les... Ah merde, j'ai peut-être enlevé les trucs, là. Ça doit être ça, là. Je les ai plus, les machins trucs, là, qui donnent du pognon. Donc, on va pas se prier, hein. On va pas se faire prier, je veux dire. Ah, mais j'ai plus les bosquets non plus. Donc, voilà, quoi. Où est-ce qu'on peut aller? Ici? Peut-être qu'on pourrait combiner bosquet et marais. Oh, je sais pas. On va voir. En mémoire. Ça, on s'en fout. C'est vrai qu'il met des cartouches quand même, hein, le voleur. Mais il s'en prend aussi assez vite. Se prendre des cartouches assez vite. En vrai, je vais manger un bol de céréales devant Eki, puis je vais aller me recoucher un peu. Je suis naze, tu m'étonnes. Aïe! C'est mal ça! Prends soin de toi, prends soin de toi, Stylou. Prends soin de toi. On a les champs de blé. Il est vraiment dur, je trouve, le voleur à jouer. Nombre de trophées à échanger contre des récompenses au camp. Ah si, j'ai les salles au trésor. Ah bon, bah merde. Ah, dommage. Ok. Je suis déjà en train de me faire défoncer. Tu le crois-tu, toi? Tu le crois-tu? On peut mettre un autre là, ouais. Ah, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que tu proposes de beau? Résignorant. Une main entière de carte Oblivion, ah ouais. Chaque 10% de PV manquant vous octroie. ...0,5% de chance d'infliger 1000% de dégâts lors d'une attaque. Quoi? Quoi? C'est rigolo, j'ai plus rien à foutre. Si ça se trouve... Bon après, Malbator, merci d'être bien dû. Bon courage pour le travail. Et bientôt, des hiboux. Des bisous à Maggie aussi. À Tagibol. Évidemment. El famoso Tagibol. Oui. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Et puis tiens. 14-20. Attends, on a quoi là? On a 12-18.
Bah, non mais c'est nul. C'est ça et ça qu'il faut. Bonus d'esquive plus 10%. Pourquoi c'est quoi l'esquive et un bonus d'esquive? Un peu plus d'armure, pourquoi pas. On n'a vraiment pas des objets de ouf. J'aime bien l'esquive quand même. Tu ne sais pas toi au fait? Non. C'est la fête. Je sais pas. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Ouais. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Je tombe dans le panneau, quoi. Putain, après un an de stream... Enfin, c'est pas un an qu'il y a ce point de chaîne, mais... Après un an... Je suis toujours tombé dans le panneau, quoi. Peut-être un village people, ce serait pas mal, un petit village, là. Avec des chants de blé. Hop là, le soin. Ok. Super haut. Ok, bah zéro marée. Les gars, ça va? Tranquille? Pas de marée, tout va bien quoi. Pourquoi Albator? Comment ça? Pourquoi Albator? C'était une spéciale dédicace pour Serda. Salaud Védir. Pourquoi Albator? Parce qu'il travaille, peut-être. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu nous as laissé? Non. J'imagine que c'était pas ça, mais ça me fait... village, marais. Les marais. Là. Les marais, c'est là. La montagne du destin. Faire une autre salle au trésor, ici même. Et faire ça. C'est compliqué, hein. Ah! Tu dégoûtes. En vrai, je vais manger un bol de céréales devant Eki, puis je vais aller me recoucher un peu, je suis naze. Ah, parce que lui, il est claqué et qu'il est au boulot. Mais non, mais... Ou alors, il aime pas les céréales, peut-être. Bon, c'est vrai que c'était un peu direct et il pourra pas répondre. Il est parti, malheureusement. Mais Albator, ça a pas l'air d'être méchant, hein. Je sais pas, mais à mon avis, il doit pas y avoir de malice derrière son intervention, t'inquiète pas. Je crois pas. 10-16. 12-18. C'est combien ça? 14-22? Ouais, mais... toujours plus de contre. Je préfère ça encore. Et ça, ça fait quoi? De la défense? Non, j'ai vraiment pas envie de ça. Je m'en bats, quoi. Esquive 12%. Bien sûr, je m'en doutais. T'inquiète. Ah bon, tout va bien, alors. Non, mais c'est au cas où. Enfin, après, je peux pas parler à sa place. Je ne sais pas. Bonus d'esquive plus 10%. En fait, j'ai 14% d'esquive, quoi, c'est ça. Oui, ok. C'est tout simplement ça. On touche pas à 10. Ah, d'accord, il peut y avoir des bots qui donnent de l'esquive. Ça, c'est les bots. Enfin, quoi que toutes les bots donnent de l'esquive, on est d'accord. 15% ici. Ah, bah, c'est encore mieux ça. Bah, ça aussi, c'est mieux. Bah. Bon, bah, on prend ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toujours plus de vie? Bah, non, on a pas plus de vie là. 66, ah si, ah, non, pourquoi pas. Vraiment tout pourrite. Tout pourrite. J'avais pas vu qu'il y a un camp de gobelins. Est-ce que vraiment j'ai envie de les laisser là? Non. Ok. On a quoi déjà? Ah oui. Chaque 10% de PV manquant vous octroie 0,5. C'est 10%, c'est un pourcentage. Oh! Oh, la belle prise, une armure. Bah oui, on va prendre ça, évidemment. Évidemment qu'on prend ça. C'est une armure légendaire, ça, ou je sais pas quoi. Bizarre qu'on puisse... On peut looter quand même pendant le... Ah, il y a un village là, quand même. Il y a un village, il y a du marais. Il y a un marais. On a des marais. Petite dédicace.
Dédicace de Beberlando. Allez vous abonner, allez vous, allez follow Beberlando, il va bientôt streamer. Hein. Le coup de pression. Coup de pression. Ouais, bah vas-y, on va faire un petit village là. Au secours. Avec un champ de blé ici. Il a la pression, Beber, là. Il a la pression. C'est quoi ça déjà, un camp de bandits, ouais. Bandido. El bandidos. Des marécages. Un petit marécage, ici. Avec un manoir. Juste là. Parfait. Beber déjà affilié, pas encore streamé. Ouais, il a déjà des abonnés. Il a déjà 250 abonnés alors qu'il stream pas. Quel est ton secret? Quel est le secret de Beber Lando? Tout le monde veut savoir. La jalousie m'emporte. Hop, c'est follow. Et de 10. Ouais, peut-être même plus, qui sait. Alors les marées, ça vous fait marrer? Ah oui, par contre ma vie... C'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Je suis semi-serein. Ok. Ok, on peut en terminer une. Ça nous fait quand même... Quoi? Ah mais ça fait ça? Je comprends pas. Ah mais je suis... Rien à voir. C'est un hasard total et absolu. Qu'est-ce qu'on a ici? Défense, dégâts critiques 35%. Dégâts critiques 17%. Dégâts à tous, dégâts purs. Mm-hmm. Bitworker et Akiro qui follow au secours. Incroyable. Tu oublieras pas les 10% de ta fortune, de future fortune à El Cerda pour la pub. Oui, c'est vrai. Les 10%? What? Combien? C'est beaucoup! Connaissant la fortune infinie de Weber, 10% t'en as pour... ouais, c'est fini là, t'as besoin de faire quoi que ce fût. Alors, 14-22. Un petit 14-20 ici. C'est lequel qui est... Attends. C'est lequel qui a... Non, c'est lui là qu'il faut changer. Ah, quoi que non. Ok. Et ça, c'est quoi? La vitesse d'attaque? 17? Combien? 17-25? Ah oui. Et 15-23 aussi. Bonus d'esquive. Toujours plus d'esquive. je dirais. Ouais. Vas-y. On joue pas contre, nous. Là, il y a quoi? Un peu plus de vie, de la défense et des dégâts critiques. Les chances de crit 10% et y a rien. Vas-y, on va mettre ça quand même. 75, 160, oh, je vois rien. Je viens de commander ma Tesla là. Cash. J'ai commandé cash. Ouais, 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 ouais. Quête remplie. Ok. Ok, jusque-là. Jusque-là, ça va. Il nous manque un peu des ennemis, là. Oh. Oh, des bottes. Des bottes qui en valent la peine. Esquive. Dégâts à tous ou défense? Toujours plus d'esquive. Pas mal, ça. C'est un bon compromis. Regarde la TVA. Non, il a pas peur. Hein. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégâts critiques. Ah. Ok. Toujours plus de dégâts critiques. Ok. Est-ce que je peux mettre un... Oui, je peux mettre là. One shot. Il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est normal ça? J'aime bien l'idée.
C'est pas un marais ? Hein, c'est une prairie, merde. Attends, je veux un marais, moi. Je veux mettre un marais là. C'est bon, ils m'ont rien volé. Pense aux chances de crit, quand même. Bah, je veux bien, mais y a pas grand-chose. Hein. Y a rien qui me donne des chances de crit, là. Je crois que j'ai vu aucun objet, Serda. La vérité. Dégâts de crit. Non, c'est moins bien. C'est vrai que les chances de crit, ce serait ce que là. Plus 75%. Oui, bon. Calme-toi. Ok, on a trouvé un truc. 10% de chance de garder la carte, d'accord ? Réduit de 3 la quantité d'objets reçus sur la tuile du camp, mais augmente la qualité des objets reçus en échange des trophées. Ok ? Après la perte de 20% de ses PV max en combat, le héros esquivera toutes les attaques pour 2 secondes. Trop fort ? Je vais lancer un live just chatting avec mon tel. Allez, c'est parti ! Et là, la nouvelle étoile montante du streaming. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Vitesse d'attaque. Il y a des chances de crit ? Non. Mais il y a des objets qui donnent la chance de crit parce que... Mais je veux bien Akiru, mais... T'avais pas d'argent à Serda. Il va faire des dingueries chez moi après. J'espère bien qu'il va en faire, ouais. Mais on a que de la merde. On a eu que de la merde. Ouais, c'est pas fou, hein. On est sur un pas foutisme, là. Par peut-être l'armure. Vite fait, quoi. Ouais, je suis pas non plus les dégâts de... Pourcentage de dégâts, mais ouais. On a combien de... Ouais, mais non, mais c'est mieux ça, quand même. La vitesse d'attaque, c'est plus intéressant. Plus vite j'attaque... Ah, il y a ça aussi, sinon. Mais 41%. 23-35 quand même. Hein. C'est beaucoup. C'est quasiment le double, quoi. C'est le double. Je fais un hot tub avec Mozza. Oh là là, non mais là, arrêtez. C'est beaucoup trop. Jamais vous allez vous en sortir. ça se négocie peut-être, mais j'y crois pas trop. Ah. Même pas peur. Non mais Weber, il a pas peur. Ah, je suis en train de canner. Vous, je sais pas, mais moi, je suis en train de canner. Là, c'est pro. Dommage. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, elle est vénère, là. Elle est vénère. Elle va casser des gueules, là. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais... Elle allume le PC, crocro, elle vient d'arriver. Elle a l'œil noir, elle a... elle amène, par contre, une belle odeur de café. Ça, c'est bon. C'est beau, ça. Ah, 1h38 de VOD. C'est peut-être que je me bouge le huc, moi. Quelle heure il est ? C'est 1h. Je suis censé m'arrêter, là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Fini, oui. Arrête de faire des bruits sur mes VOD, là. Bah, ça y est ? Bon, t'as dit une connerie, c'est bon. T'auras plus de vues avec Mozza ? Ah, je sais pas. Tu viens de jouer à un jeu qu'on connaît peut-être ? Ça s'appelle Tiny Rugs ? Ah non, je connais pas, Sajdal. Tu pourrais nous envoyer, nous spammer des images de Tiny Rock sur le Discord, s'il te plaît. À peu près une par minute pendant 6 jours. Merci, cordialement. Pas d'excès, hein. Aucun excès dans cette phrase. Coucou Crocro, disent-ils. Des coucou, dit-elle. Merci, Sajdal. Elle vous fait des gros bisous. Comment ? Ça ? Cybertech de merde, oui. Cybertech de merde, peut crever. Donc voilà. Je pense que Crocro a tout dit. Elle est vénère. Quand est-ce que je vais canner, moi ? Bientôt, non ? Pas encore, visiblement. Je tiens la vie. Y a pas de vampirisme dans ce jeu ? J'ai quoi, là ? J'ai 11% d'esquive, 11% de contre, 18% de vitesse d'attaque. Tout ceci ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire là ? Merci Stellou. La femme qui est derrière le streamer, vous pouvez la faire. Vous pouvez faire moins de bruit s'il vous prie. C'est Bébert évidemment. Allez, tu vas avoir des problèmes, Bébert.
Moi je regarderai. Hein. Enfin, c'était vraiment la petite partie en plus qui sert à rien. Hein. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est. Des dégâts critiques. Un peu de contre, dégâts purs. La vitesse attaque me paraît plus intéressante, mais. Donc là, il n'y a aucun vampirisme. Hein. On est d'accord que le vampirisme n'existe pas dans cette. Pour ce mob-là. Ah, je vais canner. Ah, ils me volent vraiment des trucs. Eh ben, voler mes bottes, petit bâtard. Mais je le déteste. Je le déteste. Je tiens pas à la vie. Vu ce que je dis, ah bah oui, toi tu tiens pas à la vie, non. Moi je sais pas pourquoi, c'est beau la vie quand même, bébé. Faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça, hein. Je vais canner. Attendez, je vais essayer de me soigner. Je vais essayer d'arriver. Ah, c'est le décès. Il est vraiment dur, hein. Il est vraiment dur, je trouve. Je. Tout prendre. Pourquoi tout prendre? Ça veut dire quoi, tout prendre? Attends, je garde ça. Par contre, je prends pas ça. Ça veut dire quoi, tout prendre? Ah pardon, vous voyez pas. Quand tu meurs, tu perds les reliques. Mais pourquoi il y a tout prendre? J'aurais dû me barrer. Tipeee, d'accord. Il m'a piqué les bottes. Tout prendre, ça te consume la relique de boss. Ah! Et ça c'est quoi? 10% de chance de recevoir une ration après avoir tué un rat-loup. Rat-loup? 5 dégâts du héros contre tous les rat-loups. Ah c'est fort quand même. Et ça c'est quoi? C'est quand t'as tué un boss, c'est ça? J'imagine que tu prends des reliques de boss. Et ça t'en prend 2. Bon, vas-y, on va pas les dépenser tout de suite. Mais c'est vrai que c'était pas mal. Je joue bosqué et tout. J'aurais peut-être pu le prendre en vrai. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs? Évidemment. Non. Est-ce qu'on peut construire quelque chose? Oui. Ah ben on peut faire une hutte en terre. Incroyable. On voulait faire les archives, je crois. Mais on ferait construire un truc. Histoire d'avoir fait quelque chose sur cette VOD. On pouvait donner aux habitants un meuble. Ben vas-y, tiens, hop. Regarde. Tout au loin là-bas. Tout est en longueur, là, on sait pas pourquoi. Eh bien voilà. Nous n'avons plus qu'à démonter nos tentes et quitter ces abris. Je vais avoir besoin de quelques minutes pour informer le monde. Il n'y a pas assez de maisons pour tout le monde, donc nous devrons loger plusieurs familles dans une même maison. Mais ça nous rapproche tout de même d'un mode de vie plus civilisé. Ah, incroyable. Bon, YouTube, on aura tenté, on aura essayé d'aller le plus loin possible dans ce chapitre 2. Je pense que je sais pas s'il faut continuer quand même à tenter de chercher le chapitre 2 ou de se consolider un peu avec le chapitre 1. Peut-être que c'est mieux le chapitre 1 pour l'instant. Peut-être faire un chapitre 1 la prochaine fois avec le voleur. Là c'était un peu dur quand même. C'est possible. Bref, YouTube, prends soin de toi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette VOD. N'hésite pas à poser un petit pouce bleu qui va bien. Petit abonnement aussi si tu veux voir la suite, évidemment. Et prends soin de toi, YouTube. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.